Si tu as omis de visionner le dernier épisode de Boetox, comme dirait Juvenal, précédemment Toum, in Botoxum. T'as une voyante? C'est Trouchkaya qui m'a élevé après l'éclipse. On vivait dans une roulotte misérable, au milieu de la savane. Ce message s'adresse à Frida. La prod souhaite te revoir rapidement. Aïna, Pépu, arrête-toi, c'est trop nul. C'est Frida. En même temps, c'est une chanson de merde. Alors je m'adapte. Salut mes étoiles. Salut Brody. Ce message s'adresse aux garçons. Ils cherchent un type plutôt cool pour une série musicale. Ah bah c'est moi ça. Il y a pas plus coolos. Ça existe encore ce mot? Quel mot? Coolos, c'est so 90s. Oui, une série musicale. Une série musicale, une série musicale, une série musicale, une série musicale. Ah, Nicole, tu veux pas voir derrière la table? Je crois que quelqu'un a perdu son pénis. Le casting est pour le rôle de Roger, le cow-boy solitaire à la voix cristalline. Ah bah merde, j'ai pas du tout la voix cristalline. Puis moi j'ai rien à cow-boy solitaire, c'est pourri comme casting. Oui bah c'est tout ce qu'on a. Bon bah je suis désolée mais j'ai rien trouvé derrière la table. Quoi? Ah oui, bah va voir dans la cuisine. D'accord. Non, vous savez quoi? Trouchkaya m'a dit que j'étais promis un grand avenir. Alors Roger, le cow-boy solitaire à la voix cristalline, ce sera moi. My goodness, t'as déjà vu un cow-boy tortiller du cul comme ça? Oui, bah moi au moins j'ai un cul. Excusez-moi, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'ai un rôle à répéter. Putain, je suis dégoûté. J'aurais bien voulu jouer dans une série, moi. Au moins, j'aurai de quoi payer le loyer. Attends, faut le payer, le loyer? Bon ben, y a pas longtemps d'un pénis dans la cuisine. Je sais, je vais voir dans la salle de bain. Après tout, c'est le meilleur endroit pour en perdre un. J'ai vraiment été bête de pas y avoir pensé plus tôt! Je vois pas pourquoi tu pourrais pas l'avoir, ce rôle. Tu sais très bien que j'ai la phobie des chapeaux de cow-boy. Hein? Bah ouais, ça me fait perdre mes cheveux. Non mais n'importe quoi. Ah ouais? Alors comment t'expliques que depuis que j'ai mis un chapeau de cow-boy à Hockey Coral, je perds mes cheveux? C'est pas les chapeaux qui te font perdre tes cheveux. C'est quoi? La calvitie. Mais n'importe quoi! Je me sens pas vraiment à l'aise avec ce truc. Allez, vas-y, chante. Je suis un cow-boy, le cow-boy Roger, le cow-boy à la voix cristalline, yeah! N'importe quoi. Faut faire des vibes. Des vibes? Je suis un cow-boy, je suis pas Beyoncé. Être un cow-boy, ça empêche pas d'avoir le flow, je te signale. Ah ouais? Je pourrais être une sorte de flow-boy. What? Non mais c'est un jeu de mots, c'est pas ce que t'as dit. Ouais non, c'était pourri. On réessaie. Et mets un peu de groove, man. Tu crois que Justin Bieber, il en est arrivé où il en est avec des jeux de mots tout moisi? Non mais Justin Bieber... Tut, let's go. Imprègne-toi de toute la Roger attitude qu'il y a en toi. Comme ça. Non mais je suis tellement merdique que même toi tu serais mieux. Vous vous appelez? Free... fuck. Free fuck? Oui. Je suis allemand. J'avais pas d'accent. C'est parce que je suis déjà dans la peau de mon personnage. Il est pas allemand, votre Roger, à ce que je sache, non? Non. Bon bah, voilà. Bien, musique. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis un cow-boy, cow-boy Roger, le cow-boy à la voix cristalline. No. Wow, c'est magnifique. Juste une petite question pour finir. Quels sont vos rapports avec les vaches? J'en ai deux à la maison. Deux bonnes bourrines. Je gère.
Alors ? J'ai un rôle dans une vraie série musicale. Vous allez me voir à la télé, bordel de fuck. Ah ben génial, il y a un nouveau et personne ne me présente. Non mais Nicole... Faut que je vois Frida. C'est bien la seule qui me fait pas de cachotterie. Elle au moins elle me consolera. Elle me prendra dans ses bras comme une vraie sœur. Et elle me fera tout plein de câlins. Frida, elle n'est pas là. Je suis... son cousin. Ah bah oui, tu le connaissais pas, c'est... Free fuck. Free fuck. Ouais. Je crois que je suis amoureuse. Thank you.